Bonjour à vous, c'est Guncho de la FMS Team. Comme promis, je vais vous montrer un peu, enfin le début du craft, du moins, du menuisier. C'est très très simple, en fait, il faut juste... bon, pour l'instant, là, comme j'ai pas vraiment débloqué la récolte, je me suis acheté quelques petits bûches. Normalement, c'est aller dans le carnet, en fait, carnet d'artisanat. Là, comme vous voyez, en fait, il faut que... On a des matériaux et des éclats devant. Pour l'instant, ça j'ai, donc ça je peux le faire. Ok, ça, ok, vous voyez, en fait, j'ai pas équipé ce qu'il faut avec. Donc là, pour moi, j'ai personnalisé, j'ai fait un truc comme ça. Hop, bon, c'est sûr que j'ai pratiquement aucun habit qui va avec cette classe. Voilà. Donc là, hop, on fait la matrice du carnet. Ah non, il sort quoi. Donc là, le but c'est de faire un bon truc. Donc là, qu'on est soit appuyé sur 1 ou clairement à une base. Au début, vous avez que cet ennemi. Caché, il y a des failles. Hein. Des fois, on a... c'est un truc, ça marche pas. Comme là, je sais pas, attendez, des cratchs, enfin, des bruits. Mais c'est vrai, c'est bien que. Voilà. Là, vous avez une jauge en fait, il faut la remplir au maximum. Et chaque. Ça donne ça quoi. Et plus vous montez niveau, plus vous aurez de glace. Il y a la glace. Enfin, tout ce glace que j'ai joué. La solidité en fait, à chaque fois que ça entame l'objet, mais ça enlève une solidité. C'est la chance d'avoir un objet haute qualité en fait. Donc ouais, on va voir, est-ce que j'ai assez... Comme j'ai fait des madriers d'érable, je peux faire des galoches. Enfin des pieds, des souliers anciens temps quoi. Sert à ça pour le métier de menuisier. À la base, c'est pour fabriquer plus possible, enfin, d'objets pour qui est pour l'archer quoi. Donc là, c'est le maître de la guilde en fait. Donc là, j'ai réussi à faire machin, donc à m'offrir un truc pour continuer quoi. Trop stylé quand même le mec, avec les nades et tout.
tente à faire comme j'ai offert non un torse qui va pour toutes les classes, donc voilà. Ça je peux l'équiper. Du moins ça fera un peu moins si il est en furie à poil. En fait après il faut des branches d'érable et des fils de chambre. Bon, fil de chambre ça c'est du... comme c'est écrit c'est fil... Serait ça c'est avec le métier de la couture. Et ceci c'est avec le métier de récolte sur le bois quoi. Les poissons, ça je l'ai pas vu. Ça enfin du moins j'ai pas encore exploré. Donc, après il y a différentes utilisations. Après bon ça il faut la chimie pour faire du animal. On doit soit les monstres. Après chambre, cuir et tout, ça c'est avec le truc bon métier cuit avec quoi, c'est. Voilà bah c'est ouf. Il y a beaucoup de métiers en ce jeu, c'est pas mal. Non, on les voit ici. Voilà, tada, voilà. On est doux avec tout ça, il y a de quoi faire. Donc là je peux faire que des galoches et que des minerais d'érable. Quand vous montez un niveau en fait vous... Bon, c'est une nouvelle expérience, mais certes, évidemment, après vous en faites l'objet d'avant, en fait, vous faites un seul coup. Quoi. Alors il faut que vous faites gaffe au niveau de l'essence de vent, surtout pour le bois parce que c'est le plus gros consommateur. Moi j'en ai 152 mais pour en récupérer il faut récolter sur les arbres en fait. Il faut vous couper du bois. Ceci va conclure sur le métier de menuisier dans FF14 en ligne à Real Reborn. Donc à plus, c'était Guncho de FMSM, bye bye. Bonjour à vous, c'est Guncho de la FMS Team. Aujourd'hui, je vais vous montrer le métier de tanneur. Vu que la classe archer demande beaucoup de protection en cuir, voilà. Ça demande de la terre.
ça on les récolte aussi sur des arbres ou enfin en récoltant quoi. Donc à peu près c'est à peu près la même chose que la première menuiserie. Cuir supérieur, c'est que pas mal. Ça me demande deux ressources, du vent et de la terre. Et après, pour différentes recettes, en fait, ça demandera plusieurs cristaux pour créer l'objet. Comme là, après, ça demande aussi des tissus de chambre. Donc après, il faut plusieurs métiers pour faire, enfin, compléter les recettes. Chaque classe pour après continuer. Donc voilà, c'était le tuto sur la tannerie. Donc à plus tard, point de vue, bye.